c'est Makito, on se retrouve pour un nouvel épisode de Conan Exile. Aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire, donc j'ai pas mal avancé. Enfin, pas mal, j'ai construit quelques objets, hein. Rien d'exceptionnel. Je vais commencer par ça parce que je suis en train de mourir, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'avais de beau à vous montrer? Ça, ce qui va nous permettre de nous soigner, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est ce qui va nous permettre de récupérer des petites flammes. Donc, j'ai testé tout seul, hein. Vous n'avez pas trop attendu, je vais vous montrer comment ça se procède. D'ailleurs, je vais construire direct. Il me manque une branche. One branch. Non, c'était pas le bon bouton, ça. Ouais, bon, attends, prends-toi pas la tête. Je me demande c'était quoi qui marchait. Hop. Et du coup, ces petites flammes-là vont me servir donc à construire ça. Et ça, ça va me servir à me soigner. Donc je vais en faire, parce que je me sens vraiment pas bien. On va attendre que ça se construise. J'ai construit les tables d'artisans, ce qui nous permet de faire les objets, donc rien d'exceptionnel. Hein. Truc basique. Par contre, j'ai les différentes tables. Celle avec les asiatiques, si je me trompe pas, en jaune, ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est jaune, c'est tout ce qui fait partie du DLC des cannes, non, ça s'appelle comment ça? Des kitanes, c'est ça le nom des... Et là j'ai toute celle qui est grecque un peu... Voilà, ça bug. Alors ma console je crois qu'elle rend vraiment... Aquilonienne, voilà le nom. Donc je pense que mes bâtiments je les prends en Aquilonienne. Donc ça c'est le dernier DLC qui est sorti là. Donc pourquoi pas. Bon par contre quand je vois les ressources qu'il nous faut, c'est pas pour tout de suite. Il va vraiment me falloir du fer. J'en ai que 10, il m'en faut 100 je crois pour faire la forgeron. Donc pas top. J'ai agrandi mon four, comme vous pouvez le voir. Enfin mon four, mon feu de camp surtout. J'ai mis un petit séchoir, donc en fait vous mettez la viande, hein, des écorces d'arbres, que vous récoltez avec une pioche sur un arbre, et de la viande, et ça vous donne de la viande. Comme celle-ci. J'ai pire dans 15 heures, donc ça c'est cool. Charpentier, et je me suis fait du coup une petite armure qu'on va prendre tout de suite parce que je suis en train de prendre cher depuis tout à l'heure. J'ai ceci aussi à tester, les pièges à poissons. Ça, par contre, ça va partir de là. Alors, il y a un truc que je voulais récupérer. Terminé, on va récupérer ça. Ça, ça devrait le faire. Alors, je me dépêche parce qu'on a beaucoup de choses à faire. J'ai été me promener un petit peu quand même, visiter. Je suis mort pas mal de fois d'ailleurs. Ce qui est assez embêtant. Hop. Voilà. Alors, on va faire ça comment? Voilà, on va mettre ça là. Ça là. Aïe. Hop. Donc ça c'est la première tenue du nouveau DLC. Vous savez, il y en a trois différentes. C'est con, putain, j'ai supprimé le bordel. En fait, j'étais obligé de le... Je l'avais mise là. Et d'ailleurs, j'ai fait mon lit aussi. Ça c'est pareil, le lit, faut pas le coller au mur, hein, parce que sinon ça bug. Je me suis retrouvé en fait, quand une fois que mort, bah, bloqué entre les deux, et je pouvais plus rien faire. Donc j'étais obligé de tout démolir ici. Donc c'était pas top top. J'ai construit aussi ceci, et franchement ça c'est mon petit kiff, hein. C'est mon bébé, hein. Franchement je le kiffe ce truc. Bon attendez, je vais peut-être me soigner parce que... Ah ouais, non mais ça soigne vraiment bien. Alors ça c'est les dieux en fait qui m'offrent, chaque dieu a un truc différent. Moi le mien c'était la guérison, je sais pas si vous vous en rappelez. Du coup, bien sympathique. Alors par contre la petite armure là, en cuir et tout, sympa mais bizarre. Et j'ai looté la masse sur un ennemi. Au cas où, je vais la garder sur moi. Alors, il y a pas mal de combos à faire en fait. C'est intéressant à voir. Là, ça c'est mortel parce que du coup, ça les fait tomber les ennemis.
Je vais vous montrer ça, tiens. On va aller se faire les ennemis qui sont juste là. Je vérifie parce que l'autre il est tout le temps caché. On va aller se faire celui-là. Ah, forcément, ça a marché. Ça c'est le bordel avec les archers, c'est que je ne peux pas vraiment vous montrer ce que je veux vous montrer. Alors, une fois que vous l'avez tué, vous utilisez votre petit truc. Par contre, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Vous voyez, j'ai ramassé un truc et après moi je ramasse la peau. Alors âme sensible, ne regardez pas. Moi, mon arme préférée, c'est quand même celle-ci. Hein. Y a pas chier. Par contre, d'habitude, ils sont deux, là. Alors, il est où, l'autre? Petit, petit, petit. Ah, il est là-bas. J'aime pas ça, parce que je sais pas trop où est-ce qu'il est allé. Puis, il fait nuit, forcément. Et j'en ai pas super vite, hein, c'est abusé. Je sais pas du tout ce qu'il est. J'aime pas ça. On se casse. Ah bien, t'es où? Ouais, tu me fais perdre mon temps. Il y a des bruits chelous aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Le petit drapeau que j'ai réussi à récolter dans un camp d'ennemis. Alors je vais vous montrer. Je suis parti. Je suis parti tout là-bas. Donc ici il y a pas mal de camps. Donc je pense que si je déménage, moi je vais. On va essayer de le faire. Je sais pas si on le fera dans cet épisode ou dans le prochain. C'est remonter par là. Et essayer de se poser par ici. Voilà, l'idéal ça serait de se poser par là. Genre ici par exemple. Ou là. Sur une forteresse sur le truc. Histoire d'être entre les deux. S'il te plaît. Zoom arrière. Je peux pas zoomer plus que ça là parce que. Vous voyez, entre tous les biomes, étant à peu près au milieu, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de fer par ici, il va vraiment falloir le faire là, parce que ça commence à être un peu long. Par contre, ici, je ne sais pas trop ce qu'il y a. J'aimerais bien aller faire un tour ici aussi. Mais je pense qu'on va d'abord déménager par là. Ce serait une bonne idée. J'ai trouvé des grottes aussi. Ce bouton là par contre, donc il y a celle-ci, la caverne au filon, et celle-ci, et j'ai trouvé un dernier petit truc à vous dire. C'était ici je crois. Ici il y a un crocodile géant, donc je pense qu'on va se le faire aussi, mais pour cela je crois même qu'on va commencer par ça. On va attendre qu'il fasse jour. Là, on va récupérer pas mal de potions. On va éviter de manger de la nourriture, de la viande d'humain. J'ai ça à faire cuire. Je sais pas si je peux le mettre à sécher, ça. Ah si, ça a l'air. C'est même mieux, j'ai l'impression, parce que du coup, ça me donne pas des effiloches, là, ça me donne carrément des steaks, alors ça peut être intéressant. Je suis en train de mourir de soif. Tac, je me suis fait l'arc des Asiatiques, hein. Je vais pas me rappeler du nom, donc je vais dire les Asiates et puis les Grecs, ça va être plus simple. La tannerie.
carton, on voit pas trop à quoi ça sert, mais ça m'a servi de faire mon équipement. Et du coup, il va falloir que je me refasse la table. Mais ça m'embête en fait, parce que vu que je veux déménager, il faut vraiment que je trouve du fer. Donc on va essayer de faire ça. Juste attendre que ça se termine. Hop. Et alors on va commencer par la grotte qui est là-bas. Ou le crocodile. Je pense qu'on va aller sur le croco. Ce qui m'intrigue depuis un petit moment. Mon poids il est déjà énorme. J'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Si t'insistes. En plus, là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet de les empêcher de nous approcher en fait. Ok, on est reparti. Ah ouais, il y avait un autre endroit aussi là-bas. Je voulais vous montrer, vous avez vu les statues. Et en dessous, il y a un mec avec qui on peut parler. Alors, je me demande si on va pas commencer par ça d'ailleurs. Je crois que le croco, il est par là. Ou alors, ce qu'on fait, on se fait le croco, ensuite on va parler au mec. Et on pourrait enchaîner par la grotte qui est juste à côté là-bas. Je pense qu'on va faire ça. J'aimerais bien me faire tout ça, toutes les grottes et tout ça, et après on se casse d'ici. Je pense que dans le prochain épisode, on va faire que ça. C'est-à-dire. Les autres. Alors, c'est qui papa là? Je me demande si ça marche sur les animaux ça. A priori non. Tout ça pour une viande, merde. C'est abusé ça. Alors, on peut perdre plus de temps. Alors, par contre, je sais qu'il y a pas mal de crocos. Ouais, hop là, il y en a un déjà là. Par contre, par endurance, c'est abusé. Hein. On en perd énormément. Vous voyez le croco, regarde, il est énorme. Je sais pas si vous voyez là, il est juste là. Là où il y a mon pointeur. Ouais, j'aimerais bien ne pas aggro tout le monde. Dit que je voulais pas aggro tout le monde. Ces deux armes-là font le café, on va dire. Franchement, je les trouve génial. Il est passé où le beau? Il est là-bas. On va essayer de pas se faire défoncer, ça serait cool. Il est énorme! Non, non! Il réagit pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais? Oh la vache. Max PV. J'ai l'impression qu'on l'a quasiment pas baissé. Oh, par contre
contre, lui, il me terrifie. J'ai l'impression qu'on peut pas le blesser en fait. Faut peut-être des armes en métal. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'en fait on peut pas le tuer. Pas à notre niveau en tout cas. Mais lui, je lui fais pas de dégâts. Bon, tant pis. On va passer aux grottes. Hein. Je reviendrai. On va y revenir une fois qu'on aura le métal. Ah, c'est dommage. Je suis sûr que je pouvais le tuer en plus. Pour la peine, toi, tu vas. Oh non, je suis coincé. Oh, la blague. Alors ça m'énerve parce que vous avez vu, ça lag en fait. A chaque fois ça lag et en fait ça nous laisse aucune chance. Aucune chance de partir. C'est un petit peu dommage. C'est censé être un jeu fini, hein. Je précise quand même. Et c'est une des choses franchement qui me déçoit un petit peu de ce jeu. Je trouve pas qu'il est si bien non plus au niveau graphique. Hein. Franchement, il y a eu pas mal de personnes qui ont été dire qu'il était énorme ce jeu et tout ça, mais. Ouais, ça reste mon avis, hein, mais bon. Il reste quand même pas mal de bugs. Alors au lieu de mettre plein de DLC et tout ça, rajouter plus de textures et tout ça, ce qui fera encore plus bugger, je pense que le problème c'est ça en fait. Les développeurs, ils font tous les mêmes conneries, c'est ça. C'est rajouter du contenu alors qu'ils arrivent déjà pas à contrôler vraiment le jeu. Et c'est un petit peu dommage. Vous avez vu comment ça lag à chaque fois. Je pense que dans le prochain épisode, vous voyez, on longera l'eau et tout ça, on vous montrera. On essaiera de se barrer d'ici. Bah, ce que je vais faire, je vais récupérer mon stuff, puis je vous reprends, puis on... au pire, je vous reprends à la statue là-bas. Allez, à tout de suite. Bien. Alors, on est de retour. Je vous fais attaquer par quoi, là? Oh, t'es sérieux, toi? Casse-toi, là. On est au pied de la statuette. Hop là, une grosse larve. Ça c'est très efficace pour se soigner. Another new one, eh? I could smell it on you. Veterans tend to smell just a little more like despair. D'accord. Vas-y, parle. Beginning, there were only a few of us, but now seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. Watch your step. There are a lot of desperate people out there. Bracelets, you can't remove them. Saw one fool cut his arm clean off trying to get rid of it. He bled to death right there in the sand. Nasty business. Leave it on. You'll start to hear the voices soon enough, and then you'll start seeing the ghosts. I don't think the voices are for us. Not for us here and now. I think they were talking to somebody else. Back then. Wherever it was. Whenever it was. Ok, bon, y a rien de spécial à faire avec lui. Exile. It's a tough world out there. T'aurais pas un petit truc pour moi là ici? Bon, on va se diriger. C'était pas ce touchable. À la grotte. Qui est l'autre côté? On va manger un petit truc. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas posé les pièges. Bon, par contre... bon, c'est encore un archer, sérieux. Alors, c'est pareil au niveau de l'arc, ils auraient pu mettre un mode visé, tranquillou. Non, non. Pas mal de choses bizarres qu'ils ont été faire. Oh.
Ouais, c'est ça, battez-vous avec un croco. Ça me permet de loot votre pote. Team Croco. Non, non, mais qu'une fois ça suffit, mais t'énerve pas. Alors, je pense que cette série, je vais la mettre à interdire au moins de 16 parce que c'est un peu. T'es peu abusé. Il l'a bouffé le croco ou. S'il y avait un autre corps normalement. Non, il y a. Hop, ça je prends. Waouh, 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 t'énerve pas. Cette grotte, où est-ce qu'elle est? De souvenir, elle est par ici. Ouais, il y a les autres qui marchent sur leurs deux pattes, donc ça doit être par là. Mais c'est l'autre d'après, je pense. Alors, je me suis pas spoilé en fait dans la grotte parce que c'est vrai que. J'aurais pu rentrer. Mais je me suis dit que j'allais vous attendre. Il commence à y en avoir un peu partout. A priori, c'était par là. Allez là. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde en bas. Bon, après, à la vitesse où j'ai des gangs, ça va. On va rester à la lance parce que le marteau c'est bien, mais ça reste dangereux. Oh là là. C'est le chargement de zone en fait, je crois qu'il fait tout bugger. Il y avait une voix derrière moi tout à l'heure. Voilà. Allez visiter cette grotte. C'est quoi ce son? Oh, c'est lui qui est dedans. Cette lance. Oh putain, elle m'a fait flipper lui. C'est bon, il a pu. Moi je voulais voir si on pouvait. Ah oui, ça se farme du cristal. Oh,
trop longtemps parce que je suis déjà bien chargé. Par contre, toi, tu voudras pas dégager. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Tout à l'heure, ils sont arrivés par là. Bon, en soi, ils sont pas trop dangereux. Mais si on fait pas attention, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ok. Je suis bloqué. Je suis bloqué, chef. Bon, a priori, il n'y a rien de spécial. Hein. Je me demande s'il n'y aura pas du métal là-dedans. Give us strength and suffering in equal measure. Let our bodies be pleasing to you, and our minds quieted from this conscious thought. Let us find the inner rages and loose them upon the earth. We give our sacrifice into your hands. Appease your thirst in the slickness of blood. Grant us the power of your might, the eternal strength of Hanuman. Ok. C'est tout. Pourquoi ils ont disparu là? Bon, moi je suppose que c'est tout. Je peux pas ramasser la torche là? J'aurais bien récupéré. Se dépêcher. Je vais vous faire une petite ellipse le temps que je me retrouve à l'autre grotte. Je vais essayer de vous le montrer. Si ça arrête de bugger un petit peu, là, parce que je crois que c'est bien de ma console en fait. Ma console elle commence à péter un câble. Elle n'aime pas l'été. Hein. Donc le temps que je retourne à l'autre là-bas, et on se laissera là-dessus, sur cette deuxième grotte. Comme ça on aura fait deux grottes. On aura essayé le crocodile. Je vous aurai montré tout ce que j'ai fait en off. Je pense qu'on aura fait vraiment le tour. Donc voilà. Bon, je vous fais une petite ellipsité et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Bien, je vous reprends vite fait, parce que c'est vrai que je vous ai dit que j'allais vous montrer les poissons. Je ne l'ai pas fait. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne. Pourquoi tu peux pas te mettre sous l'eau, là? Essayer ici. Et la deuxième, c'était quoi? Une nasse à crustacés, je crois. Piège à crustacés. À rajouter. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va se retrouver à la grotte et ensuite on reviendra. Hop, je récupère ça, je fais ça. Hop, et bah, je vous dis à tout de suite.
Je vous refais une petite ellipse encore. C'est vite que vous voyez le chemin et que vous fassiez chier. Il n'y a rien de spécial à voir. Donc à tout de suite. Bah, du coup, en fait, c'est vraiment juste à côté. Je n'avais pas fait gaffe. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas du fer par ici? Ça m'arrangerait. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pas loin. C'est quoi ça? Ok. Ça, c'est chelou. On trouve rien dans cette grotte. Je les entends, mais je les vois pas. On va pas ramasser leur peau. Rien. Oula, ça m'a l'air d'être immense ici par contre. Oh, ils sont combien? Je vous attends, moi, vous voyez. Je mets le. Je suis plus sale. Sacré paquet. S'ils viennent à part un, ça va. Même par deux, ça rentre encore. Je vérifie s'il n'y aurait pas du métal. Normalement, dans la logique des choses, dans les grottes, il y a des métals. Et il y a des cristals, mais il y a du métal aussi. Là. Ouh, elle est vraiment mortelle cette lance. Et en plus c'est la première, hein, c'est pas la plus. Je me méfie. Ça serait peut-être mieux comme ça. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de statuette, il n'y a rien ici. Ça c'est un endroit de spawn. On a un autre. Ok. Alors, rien d'intéressant. Je m'attendais à une chose plus intéressante. Je suis déçu. Tu sais pas grimper avec une torche? T'es vraiment nul. J'essaie de voir si ça se trouve j'ai loupé quelque chose. A priori non. Oh, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il prend? T'es gentil, mais. Elle est mignon. Elle est mignon, mais il m'obéit pas. Bah pour le coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je m'attendais à des, vraiment des grottes plus intéressantes. Ce qu'on va faire, on va continuer à explorer ailleurs. Tant pis. Est-ce qu'on récupérerait pas de la peau et de la viande? Surtout la peau, très important pour faire les armures. J'essaie de vous faire une autre armure, mais celle des Chinois. La première des Chinois. Histoire de vous la montrer, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Oh, c'est bien ça, si je fermais la peau, je pense que je viendrai ici. Bah, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher du métal. S'il n'y en aurait pas dans le coin. Je crève de soif, je pense que c'est à cause de l'armure. Je pense qu'on va continuer à longer l'eau. Ah, vous avez vu, il y a des trucs l'eau. Il n'y en aurait pas un ici. On va aller voir un coup parce que là déjà, on est en train de crever. Je suis en train de poser une question, c'est est-ce qu'il remplit la gourde?
J'en ai pas l'impression. Ah, il l'a rempli. Et ce qu'on va faire, on va aller se balader le long de la côte, visiter. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y en a un rouge dans le coin. J'ai cru l'entendre tout à l'heure. J'ai autre chose à faire que me battre avec lui. Je préfère me battre avec les êtres humains ou les trucs dans des grottes. Même rencontrer des araignées, je crois qu'il y a des araignées dans le jeu. Ce serait intéressant de le voir. Hop là. Des fois c'est un peu chiant, on peut pas ramasser ce qu'on veut. Attention, petit moment gênant. Ça me permet d'avoir de la peau, alors je suis obligé de le faire. Tac, ça on s'en débarrasse. C'est tout. Quoi? Une madame! Oh, je vais te déboîter la tête. Oh, en fait, t'es beaucoup plus rapide que moi. Oh, c'est magnifique! Tiens! Désolé, madame. On est déjà venu ici. Je crois qu'il y a un coffre par là, attendez. Ah ici. Ouah super, ils peuvent pas me donner du métal. Wanderala. Putain par contre lui il crève tout le temps la dalle, ça me nourrit pas ça ou quoi. Bizarre ça, c'est quoi? Bon, la place, quoi, ça, quoi, ça? On dirait qu'il y a un temple là-haut, t'as vu? Ce camp là-bas. Ici on peut grimper. Bon, bah. Toujours pas de métal. Je sais pas trop à quoi ça ressemble en plus le métal. J'ai réussi à trouver du charbon. Ça, c'est des cailloux noirs le charbon. Mais le métal. Que nini! C'est vrai que je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ouais, déjà. C'est quoi ça? T'es gentil ou méchant toi? Ah c'est des hyènes. Alors, par contre généralement quand il y a des petits, il y a des grands. Ça c'est une saloperie ça. Alors, regardez, ils sont là-bas. Et là on a un temple, enfin une sorte de temple. Du coup, je commence mon exploration, j'avais pas trop prévu ça. Oh mince. Puis ça, ça vous mordille les fesses, j'oublie pas. Son.
Y'a un mec là-haut. Oui, il a l'air badass. Ils ont l'air de se faire attaquer là-haut. Je sais pas par où on monte. Oh, vois-tu, moins de gourmand. Ah, tu veux jouer au marteau, toi? Peut-être du métal, toi. Je te prends ça, je te prends ça. Même pas de métal, non, mais tu te fous de ma gueule. Alors, je me demande si les pièces, je peux pas les faire fondre. Ça pourrait être une idée. Par contre, il avait une caisse, là. Ouh. Alors, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Moi je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ça devient lourd. Et ça c'est quoi? Gourdin? Ça j'en ai pas ça. Je le prends. À la place je vais te laisser. Non, je peux pas te laisser. Ça et ça. J'en ai pas besoin. Qu'il y avait un petit village par là, irréductible gaulois, et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Il me regarde. Ouais, tu me regardais. Donc, ça te dérange pas, je suis en train de te taper là. I go to the great feast. Il y a un chef et tout. Vous savez quoi, on va se terminer le village et puis on va cesser là-dessus. Qu'est-ce que tu me donnes, toi, de la merde? Combattant d'Avarir en 2. Combattant d'Avarir en 2. Barbare comme jeu, hein. Je trouve. Oh putain, tu sors d'où toi? Fais flipper ce con. Oh, c'est quoi ça? Orbe de gaz. Rempli de gaz. Vas-y, je prends. Je prends. Il n'y aurait pas un petit coffre là-dedans? Attendez, parce qu'il reste du monde là. Ouais. Il en reste un. S'il reste juste un mec, ça devrait le faire. Si ça marchait, par contre, c'est relou. Hop là, non, il y en a deux, trois, quatre. Ouh, 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 ouh. Qu'est-ce que tu crois faire, toi, avec tes flèches là? Approche! Ah, il va même pas venir, cet enfoiré. Ouais, il tire mieux que toi, hein.
maillet en pierre. C'est le même que moi, ouais, je crois. Hop, on va prendre ça. Ça, c'est quoi? Teinte grise. Pff, on va le prendre, mais... On va éviter de se mettre full niveau équipement. Il faut que je fasse gaffe au timer. Ouais. On devrait bientôt avoir terminé là, cet épisode. Donc je vous répète que bah, je vous attends si jamais vous souhaitez me rejoindre. C'est vrai que là en ce moment c'est un peu les vacances. Mais je suis toujours en attente hein, si vous voulez me rejoindre. Par contre ça sera... Ça sera sur les serveurs, hein. Ça sera pas sur cette partie. On recommencera depuis le début. Cool. Ils arrivent à me toucher alors qu'ils sont même pas côté de moi. C'est bizarre ça, il n'y avait pas un archer. Ça a l'air chelou ça là-bas. Ouais, on commencera une partie sur un serveur, hein, bien sûr. Oula. Sur un serveur joueur. Je sais plus le nom. Bah pas de PVE, pas PVP quoi. C'est un peu le problème peut-être qui va vous déranger. Alors moi je vous répète, hein, le PVP c'est pas du tout mon truc. Je trouve pas ça intéressant dans ce type de jeu où il y a pas mal de contenu PVE, de se faire du PVP. Après chacun son délire. Hein. Tac tac. On va se faire un peu de place parce que là. Normalement il y en avait deux là-bas. Je sais pas trop ce qu'il est le deuxième, alors ça m'embête. Y aurait-il pas un petit coffre à traîner par là, là? Wow. Bah, ils sont tous les deux là. Regarde s'il y a un petit coffre, j'aimerais qu'il y ait du métal dedans, ça serait bien. Comme ça je reviendrai fermer ici au pire le métal, si jamais j'en trouve pas. C'est quoi ce bruit? Garda! Oh, un petit archer là. Oh mais t'es sérieux là, la stam, c'est quoi cette stam de merde? Sortez tout le monde d'attaquer. Eh, récupère ta stam, s'il te plaît, t'as pas mourir n'importe comment là, c'est quoi ce délire? T'as tout ce qu'il te faut pour te soigner et tout, et tu te soignes pas là, espèce d'abruti. Quoi? C'est une blague. Ok. Bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pu quand même pas mal explorer au niveau grotte. On a trouvé le crocodile géant. C'est un des boss à faire. Qu'on ne peut pas tuer d'ailleurs, c'est un peu idiot.
pour tout vous dire. En gros, en fait, il faut que des armes en métal, donc c'est un peu bête. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous souhaitez me rejoindre. La porte est toujours ouverte, qu'on soit au moins 2 ou 3, ça pourrait être intéressant. Parce que je sais que les boss sont quand même vraiment badass. Vous avez vu le crocodile déjà, vous avez vu, je ne fais pas de dégâts, mais à plusieurs, ça pourrait être intéressant. Que dire de plus? Et bah, portez-vous bien. C'était Makito, je vous dis à la prochaine. Tchuss!